Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon avec l'épisode 26. Évidemment, comme d'habitude, mettez en 4K 60 FPS et matez un petit peu les décors. C'est juste exceptionnel à quel point le level design, je sais, je le dis à chaque épisode, mais est fou et on en prend chaque mètre plein les yeux. Par contre, on est d'accord qu'elle vient de pop, le script s'est lancé, elle a pop du ciel. Hein. Si ça t'intéresse. Ou alors elle était Keblo, je sais pas. Allez, souvenez-vous, on devait aller rejoindre la salle du trône, évidemment, parce que bah, y a une réunion hein, de la plus haute importance qui s'y tient. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est une belle salle du trône. Je vous avoue que... Pas... What? Qu'est-ce que c'est? Attends. Qu'est-ce que c'est? Elle a été plantée là par Hécaro. Demande-lui si tu veux savoir. C'est à lui de t'expliquer. Ok, donc tu sers à rien et ça fait plaisir. On va voir dans le carnet, je vous laisse lire, évidemment. Mettez pause. Ok. J'ai pas eu le temps de checker, on était à combien sur le combien, mais c'est pas ici. Grave. On aura le temps de le faire plus tard, je pense. Tu es prête à lui parler? Je suis prête. Bien. Viens. Se trouve sous le trône. On se voit bientôt, étrangère. La sauveuse de Méridian. J'ai cru entendre que tu avais protégé Cagnard des forces de Regala et triomphé de son champion Gruda en combat singulier. Impressionnant. J'ai aussi rencontré Fashav. Il m'a vanté vos talents de guerrier. Et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien mais là je et... je l'ai vu. Tu as donné ton prix. À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis. Et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués. Aux très nombreux Ténac, qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix, et tu feras de même. Si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde? Essaie donc. Tu pourrais même y arriver. Dans tous les cas, tu te bats. Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Regala. Bien. Je dois faire quoi? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Coulroute. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Regala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps? Non.
tu protégeras le Coolroute. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Regala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord. Et forcer Tekote, le commandant du clan du ciel, à obéir et me les envoyer. Forcer à obéir ? Fais ce qui sera nécessaire. Le Coolroute ne peut avoir lieu que si les trois clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du clan du ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Fachav a dit que Regala était votre plus grande erreur. Pourquoi ? Cela ne te regarde pas. Vraiment ? Je me suis battue contre ces régiments à Cagnard, et j'ignore ce qui la motive. Belle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé ? Plus que tout, Regala déteste les Garja qui ont brûlé vifs ses frères cadets. Lorsque nous avons repoussé les Raides Rouges et vaincu les régiments de Cagnard, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridian. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil Dément. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris, m'a traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Qu'avez-vous fait quand Regala vous a défié ? Si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu 7 balafres. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté. Je l'ai épargné. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas ? En effet, ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire ? Pendant 10 générations, les trois clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul ai réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi, les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens dans cette nouvelle vision ? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie, pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans, pour se concentrer sur les machines, et j'ai nommé des maréchaux via le Coolroute. Depuis lors, la tribu vit en paix. Mais Regala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône, vous y êtes entré par la suite ? Dedans, se trouve un appareil antique, un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Coolroute, je te le promets. Ah, ça sent pas bon. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Deka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Ça c'est intéressant et ça me plaît. Alors, j'ai vu un truc pendant la cinématique, et c'est ça, la magie des cinématiques en temps réel, évidemment. Je vous laisse lire Exposition Medina, et on est à 8 sur 18
seulement. Ok, il y a forcément d'autres choses un petit peu à gauche, à droite. Ok, on peut pas monter ici. Il y a forcément des coffres cachés. Souvenez-vous, dès le premier épisode, on avait trouvé des petits coffres des familles. Là, on peut pas rentrer. Là, on a quelque chose. 9 sur 18, je vous laisse lire aussi, évidemment. Prenez le temps, mettez pause, n'hésitez pas. Si vous voulez l'intégralité du lore, c'est très important. Ça apporte toujours des petits plus non négligeables. Ok. 10 sur 18, je vous laisse lire aussi. N'hésitez pas à mettre pause, hein. Vous connaissez la musique maintenant. Et ici, voilà. Ça, c'est fait. Attends, c'est fait ou pas? C'est fait. Je pense que les... tout est là. Tout est là. 10 sur 18. Ok. C'est quoi ces bruits fous, là? Oh, il se passe quoi? Attends, mais il se passe quoi, là? Oh! On se calme! Ok. Bon, allez, on va parler à Deka. Là, on a quoi? On a des petits trucs, tiens, là. Soit un malentendu, non, 10-18 aussi. On a... On avait fait... On sait jamais, on réessaye 2-3 petits trucs. Bon, j'espère que Deka, elle va khalas. Au moins une armure cool. À la limite, un nouvel arc. Mais en dessous, je prends pas ses lunes. Voilà, il faut le dire. Au bout d'un moment, faut pas se laisser faire. Ok. Allez, Deka. Nous devons parler. Et Caro dit que tu as quelque chose pour moi? Une arme pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Régala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord, vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. Ok, arc de précision clivant. Très bien. Où est ce petit arc des familles? Il est là. Arc de précision clivant. J'ai aussi un arc arc de précision, il est où mon arc de précision? Il est là. Et de toute évidence, celui-ci est bien mieux. Ok. À la place donc de celui-là, c'est ça? Normalement. Très bien. Modifier les bobines. Emplacement, équiper une bobine depuis cet emplacement. Choisir un emplacement de bobine, c'est bon. Et augmente les dégâts infligés aux ennemis renversés. Augmente les dégâts infligés en cas de coup critique. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal, hein. Let's go. Les flèches de précision de déchirure sont désormais disponibles pour l'un de vos arcs de précision. Les flèches puissantes infligent des dégâts de déchirure élevés. Là, c'est une décharge d'air comprimé. Utilisez-les pour retirer les plaques de blindage des ennemis les plus coriaces. Très bien. Très bien. Ah, c'est ça. Ah oui, je me souviens, ça envoie une petite onde de choc. Incroyable. Incroyable de ouf. Très bien. Allez, c'est parti les potes, on est à exactement... Laissez-moi voir... Waouh! On est loin. On va faire ça à Yep, 1300 mètres. Ça me paraît large faisable. Mais au moins, on va s'éviter des problèmes. Et surtout, on va essayer de localiser tranquillement des petits trucs qui peuvent être utiles. Ok, on va faire tout le tour. On va faire du hors-piste. Hein. Quand je dis des petits trucs qui peuvent être utiles, je parle évidemment de feu de camp, vous l'aurez compris, à activer, qui permet de faire des checkpoints et des TP. Ça, il faut prendre. On prend en masse. Pas le temps pour ces conneries. Parfait. On arrête de prendre. On en a suffisamment. Niveau soin, on est pas mal. On est redevenu full. Ok. Alors, on continue. Pas de soucis là-dessus. Et les petites barrières. Oh, what?
Oh, what? Ça, je reconnais, c'est une arène, les gars. Hein. Il va y avoir des bails ici. Hein. Il va y avoir des bails. Hein. Ok, on va passer par là. On va passer par là calmement. Je vais garder de quoi siffler ma monture si jamais. Rejoindre Cotalo à Gare de Pierre. Ok, 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 ok. Rejoindre. Oh, putain, je t'avais pas vu, toi. Mon ref. Quelqu'un m'a cramé, qu'est-ce qui se passe? Wouah! Il faut que j'en profite. Je suis vraiment nul. Ok. Ça, on va faire en masse. Faut que je profite de l'occasion. Ce soldat Tena qui est en danger. Faut que je profite de l'occasion. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est fort. Ça, j'ai rarement vu ça. Ça, c'est fort, j'ai rarement vu ça. Écarte-la. Ça, c'est fort. Non, j'ai une mission. Ça, c'est fort. Tu vas prendre ton biche. Toi, tu vas prendre du biche. C'est la première fois qu'on affronte ce merdier. C'est un gros bordel, ça. Waouh! C'est ça qui nous attend à l'avenir, hein? Oh, les problèmes! Ok, ça, c'est insane. Oh non, je peux déjà plus construire. Ok. J'ai pris 13 de cristal. Bon! On est d'accord que là, il n'y a personne à qui parler. What? C'est quoi ça? Œil de métal. Le bruit de la pluie étouffe les autres sons. Je dois être prudente. Oh, c'est stylé ce qu'elle a dit. C'est vrai, ça, en plus. Ok, on prend. Nouvelle quête. Ok, attends, mon ref, qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas me le dire tout de suite. On prend la quête, hein, au moins c'est faire. Faut que tu aides, mon ami. Attends. Doucement, explique-moi. Lita et moi, on a porté des marchandises de Halit vers le sud quand des machines ont attaqué. Je l'ai laissé derrière moi pour aller chercher de l'aide au bosquet, et je suis tombé sur une autre machine. Tu étais là pour m'aider, loué soit les 10. Donc ton ami est encore là-bas, en train de se battre? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Calme, calme, oh. Mieux pour l'aider. Toi, tu vas aller chercher des renforts. J'y vais. Merci beaucoup. Ouais, livraison des machines ont attaqué deux soldats Tenak et je suis niveau 17, c'est une mission de niveau 17, ça va pas être facile cette petite connerie. Est-ce qu'on la fait maintenant? C'est ça que la question que les Français se posent. Zone de chasse, non. Contrat, ruines de reliques, explorer les ruines, écouter la rumeur, ok. Course éclair et objets à collectionner. Tellement de trucs. Attendez, je comprends pas là. Ma quête a disparu. Ma quête a disparu. What? On va aller là, hein, c'est pas grave. C'est sur le chemin, les gars. Hein.
Mais qu'est-ce que je mange ? Putain, mais qu'est-ce que je branle ? Ça, c'est mon problème, ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que c'est au milieu ? C'est ça, en fait ? Attendez. Non, c'est pas ça. Les sortes de petites noix, là. Qu'est-ce que ça peut être ? Bah, attendez. Écoutez, on va continuer notre petit objectif des familles. C'est un enfer quand ça ne prend pas ta sélection. Là, on a la quête secondaire sur le chemin, n'oubliez pas. J'espère qu'en 10 minutes, on aura le temps de la faire. Waouh. Il y a un feu de camp, mais c'est trop risqué, ça. Beaucoup trop risqué. Hein. Beaucoup, beaucoup trop risqué. Il est où, le pote, là? Il est où, le ref, là? Ok. Il est à côté du feu de camp, c'est ça? Il est à côté du feu de camp. Ça me paraissait évident. Ça, c'est un merdier, ça. Hein. Ça, c'est un merdier, te dis-je. Notre ténac doit être un peu plus loin. Un traîneau de provisions, sans prévision. Et sans soldats ténac. Je suis sûr que les gravateurs sont aussi agiles sous. Pourquoi je le vois pas, les gars? Je suis débile. Allez, barre-toi, mon ref. Eux, ils sont énervés. Hein. C'est des carapateurs de haute catégorie. Barre-toi, mon ref, s'il te plaît. Allez, allez. Ok, hop, ça s'est activé. What? On dirait que les Ténacs ont essayé de sauver des provisions pendant l'attaque. Ils les ont abandonnés en fuyant. Ils me mèneront peut-être. Ok. Oh, c'est tellement beau. Ça, c'est fait. Chercher des traces. Oh, le bordel. Putain, mais quel merdier. Quel merdier. Là. Quel merdier. Les traces de la climatiste. Quel merdier. On prend, on va essayer de faire cette petite quête. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ça doit être l'autre Ténac. Salut, c'est VT qui m'envoie. Par les 10, cet abruti s'en est tiré. Je croyais qu'on était perdus. Débarrassons-nous de ces machines. Ok, matez ça. Ça, c'est beau. C'est un quoi? C'est un scorpion, frère. Ah, mais c'est pour ça. Ok. Allez! On va se débarrasser de lui. Parce que là, le scorpion, c'est un enfer. D'autres machines arrivent. Quoi? Ok. C'est pas mal, ça. Cette technique est pas mal.
Wouah! Ok. Putain, c'est quoi ce délire? Je retire des 1, frère. Bien joué. C'est un enfer. Je retire des fucking 1. Mais pourquoi je retire que des 1? L'armée des 1. Ok. Le last? Non, c'est bon. Quoi? Comment on va pouvoir abattre ce truc? Oh non. Qu'est-ce que c'est? Énervé ça, frère. Ok. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est la merde. C'est beau, mais c'est la merde. Ça, je prends un APT, je passe pas à côté. Ok. Hop, 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 hop. Doucement, Pépito. Doucement. Les gars, merde! Je suis pas une salope! Bon! La vache! C'était dur, hein? C'était dur, c'était dur! Mais on a réussi et ça, c'est le principal! Oh, toi, t'as intérêt à me régaler, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis, hausse de chien de prairie! Incroyable! Merci, si t'étais pas arrivé, j'aurais servi de paillasson. J'ai juste gagné un peu de temps pour que ton ami puisse te sauver. Ah, n'importe quoi. J'étais à deux doigts d'y passer quand tu m'as croisé. Ça, je veux bien le croire. J'espère que vous pourrez sauver une partie des provisions. Moi aussi. La nourriture est rare. Les soldats du Bosquet ont besoin de rations. On ne pourra jamais retourner au nord, à Alit, pour c'est en quoi cette coupe de vache? Je vais la remettre sur pied et on ramassera ce qui reste des provisions par terre. Arrête, tu me donnes faim. Merci, étrangère. On n'oubliera pas ce que tu as fait. Soyez prudents, tous les deux. Ok, service personnel
c'est fait. Et on peut en plus de cela continuer notre quête, sachant que, regardez bien, là je vais débloquer un truc qui déchire. Et boum mon pote. Et maintenant il faudra que je débloque ça. En vrai, équipé. Hein. Équipé, ça va être incroyable. Hein. On n'aura plus de soins, mais bon, à la limite, boum, on en trouvera sur la route et on fera un petit peu plus attention à nous. Très bien, let's go. Sac plein. Ah, ça, c'est embêtant. On reprend le fil de notre aventure et on va s'arrêter là. Au bout de la route, sur un malentendu, il y aura peut-être un feu de camp. J'espère que cet épisode vous a plu. On a eu une belle cinématique dès le début qui nous raconte un petit peu le passé de Regala. Et on a fait une quête secondaire et ça, c'est extrêmement beau. À très bientôt tout le monde. Bisous, ciao ciao, c'était l'épisode 26.